bienvenue à tous dans cette tranche dédiée à la diversité culturelle de la RDC. À la narration, Chris Alter. Comprendre la coutume Luba. Voici quelques règles élémentaires à observer si vous n'avez pas vécu au Kasaï. Recherche faite par Christophe Prince. À la narration, Chris Alter. La belle-mère est sacrée. La belle-mère ne peut jamais serrer la main de son beau-fils. Elle ne peut pas venir chez sa fille par surprise. Elle doit avertir quelques jours avant. Elle ne peut pas entrer dans la maison de sa fille avec des chaussures. Elle ne peut pas s'asseoir sur la chaise chez sa fille. Elle ne peut pas entrer dans les toilettes chez sa fille, ni s'y laver. Elle ne peut pas dormir chez sa fille. En cas de force majeure, c'est-à-dire s'il n'y a pas une autre possibilité et qu'elle doit impérativement passer la nuit chez sa fille, le mari de sa fille doit aller dormir ailleurs. Elle ne peut pas manger la nourriture laissée par son beau-fils. Le beau-père et beau-fils sont comme des amis. Le beau-père peut venir chez sa fille comme il veut et quand il veut. Il peut partager quelques confidentialités avec son beau-fils et même prendre un verre au coin. Hélas, comme pour la belle-mère, ils ne peuvent pas dormir chez leur fille. En cas de force majeure, les beaux-fils devront passer la nuit en dehors du toit conjugal. Le belle-sœur et les beaux-frères. Les moins âgés n'ont aucun interdit. Les garçons d'ailleurs peuvent hériter des épouses de leurs grands frères au cas où ces derniers venaient à mourir. Ceux qui sont plus âgés que leurs sœurs n'ont pas le droit de passer la nuit chez leur petite sœur. En cas de force majeure, le mari de leur petite sœur devra passer la nuit en dehors du toit conjugal. Si il ou elle sont chez leur petite sœur pour un long séjour, les couples hôtes devront les loger chez les voisins ou à l'hôtel. Les polygames. La cohabitation de plusieurs épouses sous le même toit est prohibée dans les coutumes Luba. Chaque épouse doit avoir son propre toit. Le respect s'étend selon l'ordre d'arrivée. La première épouse détient l'autorité sur toutes les autres, la deuxième sur les suivantes, etc. Le toit conjugal. Il est sacré pour tous. Les enfants mariés ne peuvent pas habiter avec leur conjointe sous le toit paternel. En cas de force majeure, ils devront être séparés et éviter à tout prix d'y s'accoupler. Les enfants célibataires ne peuvent et non plus s'accoupler avec leur fiancé sous le toit paternel. L'épouse et l'époux et aussi ne peuvent s'accoupler avec des amants sous le toit conjugal. Le mariage. Il est exclusivement sous l'apanage du père de la fille, s'il est vivant, ou de l'oncle paternel, si le père est décédé ou absent. Si le père n'avait pas épousé la mère de la fille, le père recevra à titre symbolique une veste, une chemise et des souliers, et rien d'autre. Dans ces genres de cas, c'est l'oncle maternel qui jouit de la dot. La dot étant un symbole, elle ne dépasse pas 1 000 $ chez les Luba. Après la nuit des noces, si l'époux constate que son épouse avait gardé la virginité, il devra faire cadeau d'une chèvre à la maman de la fille, comme cadeau de remerciement. Le Chibaou et le Chibindji. Le Chibindji, en français, signifie délit ou infraction. Le Chibindji s'observe ou s'avoue dans les divers cas dont le plus connu est l'infidélité de la femme. Il existe pourtant plusieurs autres formes aussi mortelles que l'infidélité, entre autres, s'accoupler avec une sœur, une cousine, avec sa fille, avec son père, avec sa mère, avec les frères de son époux. Voir la nudité d'un parent, père, mère, oncle, tante, etc.
avec l'amant ou l'amante de son père ou de sa mère. Le chibaou signifie sanction ou sentence. On évoque ce terme après une constatation du Tchibindi pour faire payer au coupable l'infraction commise. Il s'évalue selon le degré et la gravité de l'infraction et se paye en espèces ou en monnaie. Merci de nous avoir suivis. Voilà ce qu'on peut retenir sur la coutume Louba. Et si vous avez aimé, veuillez vous abonner sur notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains apprentissages. Recherche faite par Christophe Prince. À la narration, Chris Alter.